Classe égale à HRL, Flore Pagny fait son grand retour dans les bacs dès le 17 septembre avec le disque L'Avenir. Le chanteur, qui ira le défendre sur scène dans toute la France à l'occasion de la tournée de ses 60 ans, coup d'envoi le 6 novembre, a pu compter sur son fils pour le clip de son premier single. Sur Instagram, Florent Pagny a donc informé ses fans de la sortie du clip de L'Avenir, qui a été mis en boîte en juillet dernier sous la direction de Thierry Vergne. Les prises de vue ont notamment eu lieu à l'aérodrome d'Étrépagny, dans l'Eure, en Normandie, et, sur le plateau, le chanteur était entouré du street artiste Dinka. Ce dernier a notamment réalisé une fresque gigantesque représentant un symbole de paix. Un décor immortalisé en photo avec Aetremael, 22 ans, la fille de Florent Pagny et de son épouse Azucena. D'ailleurs, il fallait aussi compter sur la participation d'Inka, le fils du couple. En effet, le jeune homme aujourd'hui âgé de 25 ans est pilote. Sur une photo partagée sur Instagram, on peut ainsi le voir aux commandes d'un petit appareil. Il a récemment obtenu son diplôme à Paris, avait révélé son illustre papa dans les pages du magazine Gala. Pendant des années, le coach de The Voice a tout fait pour éviter de médiatiser ses enfants. Maintenant qu'ils sont grands, Florent Pagny a moins de peine à ce qu'ils apparaissent avec lui. Ce sont des citoyens du monde, ils sont équilibrés, pas encombrés par ma carrière. C'était primordial pour moi. On ne les a jamais exposés ni cachés. Aujourd'hui, elle est présente dans ce reportage car elle exprime son talent de photographe. Et puis, elle l'a fait pour moi. Mais je ne recommencerai pas sans une bonne raison, ajoutait l'interprète dans Gala, en mai dernier. À noter que sur l'album L'Avenir, les arrangements, l'orchestration et la production sont signés Calogero. Un projet qui promet à Florent Pagny de se faire une belle place dans les charts.